Et on est reparti pour une exploration dans Neverwinter. Quel étage là? En 5. Allez leur rendre. J'ai défoncé le pauvre. On va visiter ce qui est déjà. Dis-moi. Tu t'attends à ce que je vienne. Non. Perdu. Je crois qu'il y a un piège. Là. Celui-là, on s'en bat les couilles. Attends.
Je ne raterai pas ma cible. C'est un petit niveau, pas grand chose. Je ne raterai pas ma cible. L'un de nous...
Salut. D'accord. Ça fait de l'XP encore. 400 points d'XP. Moi je crache pas dessus. Personne. Un slot gris. L'un de nous ne s'en sortira pas. Pas l'air d'être un de ces fanatiques de Mogrim, je vous l'accorde. Mais on n'est jamais sûr de rien. Oui, Mogrim m'a jeté ici quand je refusais de me joindre à sa cause. Je me nomme Delta Zelhund, ancien mage suprême de la confrérie. Dites-moi, serez-vous en mesure de me faire sortir de cette cellule? Quand même, puis-je savoir que ce n'est pas une ruse, croyez. Vraiment que Mogrim jette ses fidèles en prison au cas où quelqu'un envahirait la tour des autres pour le libérer. S'il vous plaît, monsieur, tout ce que je veux, c'est sortir. D'abord des informations, je vais vous dire tout ce que je sais, je dois avouer souvent. Donc je sais peu de choses sur ce qui s'est passé depuis que Mogrim a jeté en prison. Que s'est-il passé dans cette tour? N'est-ce pas évident? Mogrim s'est emparé de la tour des autres et a forcé l'archimage Arclam à s'enfuir. Il y a eu une grande bataille, mais nous avons perdu. Comment Mogrim? Mogrim est arrivé il y a de nombreux mois, mais j'ignore d'où il venait. Il prétendait avoir découvert un mystérieux pouvoir, qu'il voulait partager avec nous. Il a jalousement gardé le secret au sujet de la nature de ce pouvoir. Comme de bien entendu, mais Arclam était trop intéressé pour s'en occuper. Mogrim a donc rejoint la confrérie qui lui a confié la formation des élèves. Nous l'ignorons, mais tous les élèves sont peu à peu tombés sous son influence. Eux aussi sont bien vénérés la même entité que lui. Et son culte s'est agrandi. Quand Mogrim a enfin révélé ses ambitions, il était trop tard pour faire autre chose que nous défendre pied à pied. Mais la tour était déjà sienne et avec elle, Luskan. Pourquoi vous dites-il? En fait, il semble qu'il aimerait utiliser les ressources des magiciens pour une grande guerre qu'il prépare. Il a l'intention d'envahir Pellivert.
Cela ne fait aucun doute à mon sens, même si j'ignore ce qu'il a fait au cours de ces dernières semaines. Il ne cherche pas le pouvoir en soi, mais plutôt quelque chose qui se trouve à pas vu d'hiver. Quelle est l'entité qui lui énerge? Il y a un dieu d'antan, peut-être, ou un démon. Il n'en a parlé qu'à Harclem, et celui-ci a semblé très excité par les possibilités qui s'offraient à lui. Qui se nommait Harclem était autrefois l'archimage profane de la Grand-Prairie. Il a fui quand même. Aucun d'entre nous n'était au courant de sa fuite. J'ignore où il peut se trouver, mais nul doute qu'il doit être en train de fomenter un plan pour reprendre le pouvoir à Mogrim, si tant est que cela soit possible. Il me semble que vraiment, quand j'ai été en prison il y a une semaine, il est évident que tout était perdu. S'il y a encore des combats, ils sont dus au désespoir et à rien d'autre. Avant d'être capturé, j'ai fait en sorte de détruire l'enchantement de téléporte. De téléportation, j'ai libéré nos plus dangereuses expériences. Mogrim aura peut-être été obligé de les traquer une à une. Mais ne vous y trompez pas, la tour des arcanes est totalement sans pouvoir. Mogrim n'a pas recruté des fidèles au sens propre du terme, il exerce une sorte d'emprise sur eux. Pas un contrôle mental, mais quelque chose qui va au-delà de simple vénération. Ils lui sont tous loyaux à lui et à l'entité qu'il sert comme un fanatique, mais j'ignore dans quel but. Qui sont les partisans? D'après ce que j'ai cru comprendre, ils bénéficient du soutien de plus de la moitié des magiciens de la tour. La plupart sont jeunes et peu expérimentés, mais leur nombre est considérable. Je pense qu'il en a envoyé la plupart dans la tour du... dans tout le nord et à la recherche de ses précieux mots Minutools, qu'il en reste encore beaucoup. Avant de me faire capturer, j'ai entendu dire que Valinda Mantelombre avait rejoint ses rangs des fidèles de Mogrim. Si ça s'avère exact, elle doit lui être très utile, étant elle aussi une mage suprême. Une jeune enseignante qui était autrefois l'une des plus fidèles partisans. Elle connaît parfaitement la tour, ce qui a dû être très utile à Mogrim. Puis je trouve, sans doute dans les quartiers privés d'Aklem, au sommet de la tour. Attends, non, mais il excède les risques. Toutefois, si vous parvenez à trouver Valinda maintenant, elle possède peut-être une rune permettant de rejoindre. C'est peut-être le seul moyen. De notre sang et l'enchantement des téléporteurs déterminent si nous avons le droit ou non de prendre. Je vais détruire l'enchantement avant d'être capturé, apparemment avec l'armée en marche, mais pas totalement. Néanmoins, s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que les téléporteurs ne doivent plus reconnaître mon sang désormais. Mais oui, on peut se téléporter hors des tours, pas seulement des temps, je peux partir et revenir pour prendre sur ces démons de Mogrim plutôt. J'aimerais vous aider, étranger, si je pouvais, mais mon allégeance va à la confrérie. Mon obligation est donc chercher ce qui demeure en nous. De quoi être. Pourquoi me dire ça, Gignon? Quels sont d'individus vous êtes moi-même? J'ai l'entreprise accomplit des tâches pour la confrérie que certains peuvent considérer comme maléfiques. Que vous soyez ou non d'accord m'indiffère, je ne trahirai pas mes serments, ni pour moi, ni pour vous. J'apprécierai votre aide. Et... ne trahirez pas, mais je dois suivre ma voie et aider mes frères. Merci, heureusement, je peux encore me téléporter hors d'ici et revenir plus tard qu'on m'a gris, mais vous accompagne, monsieur. Rock.
Attends, oui, il y a un truc dans la main, mon perso. Le portail niveau 4. Ça me donnait accès au niveau 4. Ah, c'est ici où j'avais pas déverrouillé une porte. C'est vrai que j'ai pas testé un truc, mais. Je l'ai déjà. Je suis bien identifié.
bah ouais, mais t'avais 4 ans, non? C'est un golem de fer. Votre dernier golem de guerre a échappé à tout contrôle et tué tous les bataillons. Torque, inutile de dire qu'il n'a pas fait forte impression auprès du roi Ogod. Assurez-vous que les trois suivants sont plus fiables. Les conséquences d'un nouveau refus de votre part seraient pour le moins déplaisantes. Achète ma merde. De la licorne. Tu veux pas ça? Je le jette. Ah, l'épine dans le pied est enfin arrivée.
Et qui êtes-vous? Quelqu'un qui suit vos progrès dans le tour avec grand intérêt. Cher homme, vous êtes remarquablement déterminé. Je suis en contact avec ma chère Nifitis et elle m'a beaucoup parlé de vous. Malheureusement, elle n'a pas pu m'atteindre comme vous, ou je serais déjà libre. Vous êtes donc Arkham Grigt, l'ancien archimage profane. Ma réputation me précède, oui. C'est exact, petit mortel. J'ai fui la tour quand Maugrey m'a montré ses intentions, mais pas assez vite. Maugrey m'a des pouvoirs inimaginables. Sa maîtresse l'adore, et même le pouvoir que cette forme me donne n'a pu empêcher ma capture finale. Vous êtes une liche à Mornia ? Effectivement, ne vous échouez pas, mortel. Pour le moment, nos intérêts coïncident, ne pensez-vous pas? Libérez-moi de cette prison magique, mortel. Aidez-moi et je vous aiderai. J'ai quelques questions. Naturellement, allez-y, je suis intéressé par vos questions. Que savez-vous de Maugrey et de sa secte? Ah, intéressante question. J'ai beaucoup réfléchi à la nature de la maîtresse de Maugrey. Comment lui donne-t-elle autant de pouvoir? Le fléau a été déclenché pour la renforcer. Chaque mort de Padiver a renforcé sa vie nouvelle. Et je sais qu'elle cherche encore plus de pouvoir. Maugrey cherche désespérément les mots de pouvoir. D'anciens artefacts, il me semble. 4 en tout. Et j'ignore tous deux avant que Maugrey n'en parle lui-même. Il n'en détient qu'un, mais sa maîtresse les désire tous. Je vous laisse imaginer ce que les mots de pouvoir feraient pour Maugrey et sa maîtresse. Vous devez en être capable. Je serais très amusé de vous voir entraver ses efforts si c'est votre but. Savez-vous si Harry Bett est avec Maugrey? Le chevalier noir elfe. Oui, elle est venue avec lui. Il se retrouve derrière cette porte. Dépêchez-vous et vous la trouverez. Pourquoi Maugrey me garde-t-il prisonnier? Cette tour a bien des secrets qui n'appartiennent qu'à moi. Si Maugrey savait ce que je sais, il aurait conscience de votre présence. Et vous ne seriez pas arrivé si loin. Vous avez la chance. Si je ne pensais pas que vous pouviez poser un problème à ce fou, j'aurais pris plaisir à prévenir Maugrey de votre présence. Soyez-vous prêt? Certainement pas. Vous êtes seul pour cette quête idiote. Je compte partir de cette tour et rejoindre ailleurs ma chère Nifitis. Avec de la chance, vous affaiblirez Maugrey ou le chasserez de cette tour. J'en tirerai avantage en temps voulu. Une récompense, certainement, cher ami, je peux le peu. Voyez-vous cette porte qui donne dans mon sanctuaire? Avez-vous essayé de l'ouvrir? Eh bien, elle est fermée. Par des sorts que vous ne pouvez briser, j'en suis certain. Il se trouve que Maugrey est derrière. C'est bien pour cela que vous êtes là. J'ai créé les sorts qui ferment cette porte. Je peux l'ouvrir pour vous. Mais seulement si je suis. Soit cela, soit vous faites marche arrière, ce qui sera un échec. Vous voyez ces 4 bras d'or autour de moi? Ils alimentent la magie que Maugrey utilise pour me piéger, tout comme les Fitis. Ils sont protégés par leur propre magie, trop puissante pour que je la vainque seul. Et si vous les endommagez et que j'ajoute mon pouvoir en vôtre, ils pourraient être détruits. Attaquez-les comme vous voulez et je m'efforcerai de vous aider. Puis je vous ouvrirai les portes de mon sanctuaire. Comment être sûr que vous ne mentez pas? Pauvre homme, impossible. Mais croyez bien que je préfère partir d'ici que vous tuer moi-même. Quel autre choix avez-vous? Commençons. Je suis las de cette cage que Maugrey me danse devant la fureur du peuple humain. Alors avant de faire ça, si c'est le combat contre Maugrey, soigne moi à la limite. Vous allez le regretter.
invoque des sales bestioles. Ok. Non, ça va, ça va. L'un de nous ne s'en sortira pas. Vous allez le regretter. Qu'est-ce que c'est, Colin de ça? D'accord. Slat funeste. Vous allez le regretter.
Ah, il a triché! Il a triché, il m'a one shot! Oh, ces mobs qui se rendent invisibles! L'un de nous ne s'en sortira pas. L'un de nous ne s'en sortira pas. C'est fait enfin, et si seulement je pouvais me venger moi-même de Mobrim pour ce qu'il m'a fait subir. Je vous remercie pour ma liberté. J'ouvre les portes vers mon sanctuaire, vous pourrez vous occuper de Mobrim en temps voulu, mais ne soyez pas là à mon retour. Attends. Ah non, c'est ça, Oh, rien dit. Je croyais qu'il y avait une salle que j'avais pas visitée, mais. De cette note indique clairement que ce corps sur lequel a été trouvé était celui d'un espion au service d'Aharin Gand. Sa mission était de protéger Damari Beth de tout danger qui aurait pu la menacer. Il est entré dans le souterrain. Un golem de pierre. Je ne raterai pas ma cible.
Ce carnet regroupe quelques notes rédigées par Mobile en personne. Quelques paragraphes sont particulièrement intéressantes. La tour est à nous. Dévoré par l'ambition, ce décrétin Darklem m'a trop fait confiance. J'aurais mis un terme à son existence de mort avec une grande joie si ce sont... si un démon ne l'avait pas expédié aussi rapidement. Au moins j'ai fait en sorte qu'il ne puisse plus jamais faire usage de ses conseils. Morag n'est pas contente. Jusque là, les magies, les signes que j'ai envoyées n'ont retrouvé qu'un seul mot de pouvoir. Mille lions. Il faut tous. Nous aurons bientôt celui de pas d'hiver. Et une fois les trois derniers localisés, tout se déroulera comme Morag le souhaite. Notre succès est imminent et je le sens. L'épidémie ravage pas d'hiver comme prévu par Morag. Que chaque mort rende plus forte. Elle est déjà capable de prendre forme tangible et sa puissance ne fera qu'augmenter avec la guerre à venir. Je me suis laissé dire que ce vieux fou de Nashair avait réussi à mettre un terme à l'épidémie avec l'aide de plusieurs aventuriers. Mais c'est sans importance, le mal est déjà fait, pas d'hiver est diminué et Morag a repris ses forces. Selon elle, le fait que Fentik ait été exécuté ne peut que nous servir. Bientôt la plus grande championne de Nashair nous servira. Nous. Comme prévu, les hauts capitaines se livrent à une guerre sans merci. Je me moque que l'auteur va s'imposer aux autres. En fait, mieux vaudrait tous périssent car aucun ne dirigera l'armée, contrairement à ce que je leur ai promis. Les visites nocturnes rendues par Morag à Aribeth ont eu l'effet des séries. L'ancienne paladine s'est jetée à nos pieds, et c'est elle qui conduira notre armée, elle qui deviendra la championne de Morag. Les mots seront bientôt à nous et Morag l'emportera avec l'arme. J'espère que ça va me servir. Ça, je vais fouiller, et ça aussi. Bon, est-ce que je peux... Nous avons de la chance, Artena. Toi, tu sers vraiment à rien. Alors, avant d'aller là-bas, bienvenue à mon service. J'attendais. Renie-tu ton faux dieu de la justice, Aribeth de Tilmarande? Renie-tu ton dieu, ton seigneur et le peuple qui t'ont trahi? Prendras-tu la tête de notre glorieuse armée au nom de notre nouvelle maîtresse? Oui. Sois la terrifiante garde noire de notre maîtresse Morag. Tel est ton destin. Oui, pas d'hiver tombera devant notre puissance. Souvenez-vous, Mogrim, qu'il est important de localiser les autres. Mais il faut vous méfier d'Aedralin, car elle... What?
J'arrive, bande de salopes. Bonjour. Nous avons de la chance que vous ayez découvert que la secte se cache au sein de la confrérie des arcanes de Luscan. Nous comprenons des... Bien joué, mon ami. Je savais que la confiance du seigneur Nashair était bien placée. Allons, dites-moi ce que vous avez appris. Je vois. L'ennemi est bien plus évasif que je croyais, car le nom de ce mot Grim m'est inconnu, ainsi que cette créature que vous décrivez comme sa maîtresse. Maribès est déchue pour devenir une garde noire et même mener leur armée au combat. C'est pire que tout. Quelle terrible, terrible nouvelle. Mais quel est le but de ce Mogrim, mon ami? Avez-vous pu découvrir la raison qui motive toute cette folie? C'est peut-être la seule bonne nouvelle pour l'instant. Cela démontre que nous ignorons beaucoup de choses et devons apprendre vite si nous voulons survivre. Mais au moins, vous nous rendez l'espoir. Allons, retournons auprès du seigneur Nashair et rapportons-lui vos découvertes. Nous pourrons... C'est dans la tour des arcades que l'ennemi fut finalement identifié. Mogrim Korodir, prophète d'éléments, responsable de la mort hurlante. Cette révélation fut accompagnée d'une seconde trahison. Maribès, rendu folle par l'exécution de son bien-aimé, voulut se venger en embrassant la cause de Mogrim. Ensemble, levèrent une redoutable armée et se préparèrent à marcher sur Padivert.
Mais un mal bien plus grand menaçait la ville. Les mots de pouvoir, reliques du magie oubliée depuis longtemps, étaient recherchés par les fidèles de Maugrim pour pouvoir dévaster le Nord. Les champions de pas d'hiver furent envoyés au Nord, dans les terres désolées des tribus Utgard, pour récupérer les artefacts perdus. Car si Maugrim était le premier à mettre la main dessus, la Nord serait certainement perdue. Cela devient une habitude, n'est-ce pas? Une fois encore, pas d'hiver est en danger, et une fois encore, on vous appelle pour tous nous sauver. Mais cette fois-ci, c'est à moi que vous ferez vos rapports. Depuis la défection d'Aribès, le seigneur Nashair a décidé de faire de moi son bras droit. Pour être honnête, je préfère rester dans l'ombre, mais pas d'hiver a besoin de moi, et je la servirai sans regret. Padiver a besoin de tous ses alliés, qu'ils servent pour l'honneur, le devoir ou l'argent. J'ai étudié les rapports de reconnaissance envoyés par mes agents de terrain, et la situation est plus que préoccupante. Les armées de Luskan marchent sur Padiver avec un Ribès à leur tête, ravageant les terres et détruisant tout sur leur passage. Mais le plus troublant est peut-être le fait que certaines tribus Utgard se seraient jointes à Aribès et à l'armée de Luskan pour piller la région. Si nous avions été plus observateurs, peut-être aurions-nous pu le prévoir. Elle ne s'est jamais remise de l'exécution de Fentik. Elle nous a abandonnés, mais c'est peut-être nous qui, en premier, lui avons tourné le dos. Enfin. Il est trop tard pour y changer quoi que ce soit, désormais. Aribès a juré de se venger de Padiver. La douleur l'aveugle. Mais nous devons veiller à ce qu'elle n'obtienne pas la vengeance qu'elle cherche. L'Alliance Seigneuriale nous a apporté son soutien. Sans elle, notre ville serait déjà en état de siège. Plusieurs tribus Utgard sont également de notre côté, comme celle du Lion Noir qui ont dressé le camp ici avec nous. Le puits de Beoruna est un lieu sacré pour eux. Mais Aribès et l'armée de Luskan sont l'affaire des généraux. Vous avez une mission beaucoup plus importante à accomplir. Les rares rapports que j'ai reçus à son sujet indiquent qu'il n'accompagne pas l'armée de Luskan. Apparemment, il a décidé de laisser les combats à Aribès. Je crois qu'Aribès et l'armée de Luskan ne sont qu'un écran de fumée visant à détourner notre attention de la véritable menace. Il n'a pas été aisé de réunir des informations sur la secte de Maugrim. Mais nous savons que ses membres cherchent sans relâche les anciens artefacts, connus sous le nom de mots de pouvoir. Nous ignorons ce que sont ces mots et ce que Maugrim compte en faire, mais nous savons qu'il en existe au moins trois. Ils ne doivent pas tomber entre les mains du culte. Vous devez retrouver ces mots ancestraux avant Maugrim. Si vous échouez, je crains qu'une éventuelle victoire de l'Alliance Seigneuriale soit vaine. On dit que les disciples de Maugrim mènent des recherches un peu partout dans le pays. Dans les collines et les montagnes situées au nord, dans les forêts à l'ouest et même dans les régions de culture du sud. Je souhaiterais pouvoir vous être utile. Peut-être pourrez-vous en apprendre davantage auprès de Lillian Cambridge, spécialiste des artefacts anciens qui affirme savoir certaines choses sur les mots de pouvoir. Lillian m'a promis de nous fournir toute l'aide possible. Vous devriez la trouver dans la taverne située au coin sud-est du camp. Je sais que cela peut sembler une tâche insurmontable, mais je ne vois personne d'autre que vous capable de mener à bien cette mission. Si vous trouvez l'un des mots, rapportez-le-moi. Mon réseau clandestin ira le mettre à l'abri dans le château du seigneur Nashair. Ce camp a été établi pour servir de base à l'effort de guerre, mais aussi à ceux qui recherchent les mots de pouvoir. Vous trouverez ce dont vous avez besoin dans les différents bâtiments. Je vous souhaite bonne chance pour votre mission. La suite
survie de Paddy Vert en dépend. Je suis surpris que vous vous souveniez de moi, Rengrim, avec tout ce que vous avez en tête. Le culte de Luskan, la trahison d'Aribet, cela suffirait pour oublier son propre nom. Pour être honnête, j'ai bien failli ne pas vous reconnaître en vous le héros de Paddy Vert. Je veux dire que toute mon attention est accaparée par le sérieux problème depuis quelque temps. Je l'ignore, c'est un sujet qu'il y a peu, un barbare du Tkar du nom de Rolgan. A tué un soldat de l'Alliance des Seigneurs et prêtre un bras. Je suis en état de défense. Et je lui ai accordé refus d'un stomp pour qu'il ne soit pas lâché par les amis de la victime. Rolgan ne peut rester éternellement à l'intérieur du temple. J'essaie d'organiser un procès impartial, mais les Utgards ne sont guère populaires. Bref, si. Et aucun mercenaire de l'Alliance n'a été accepté. Tu peux vivre actuellement. Votre offre est très généreuse. En tant que protagoniste, je peux vous assurer que vous recevrez une compensation proportionnelle. Après une longue réflexion, j'ai désigné les membres du jury. Deux des jurés représentent les Utgards, deux autres les mercenaires, et le cinquième, et dernier, c'est autre que mon acolyte Edgar. C'est selon moi la seule manière possible d'être juste. Si vous acceptez de vous charger de cette affaire, je vous mets tous les détails. Avez-vous besoin de succès? J'accepte. Prenez ce quartier, concernant les jurés, les témoins, les détails de l'affaire et le déroulement du procès. Vous devez le conserver par des verbes, et y consigner l'ouïe de l'affaire. Je vais vous résumer brièvement les renseignements qu'il contient. Les jurés. Un mercenaire appelé Averick, une rôdeuse du nom de Lassia, un soldat, Jevon, une femme médecin, garde, Pala. Et comme je vous l'avais dit, mon acolyte Edgar. N'hésitez pas à aller leur parler avant le procès, cela vous suffit pour un moment. Vous trouverez la rôdeuse pas là au campement de Edgar, les autres logent dans les bâtiments qui accueillent les moi. Les témoins, le représentant de l'accusation m'a indiqué qu'il appellerait à la barre deux mercenaires ayant assisté à la scène, Zed et Lodar, ainsi que Vanda, la femme de l'accusé. Je vous conseille d'aller leur parler afin d'en apprendre plus. Il y a bien évidemment l'accusé, mais il n'est pas obligé de témoigner. Et vous devez savoir que si vous décidez de l'amener à la barre, l'accusation aura le droit de procéder contre interrogatoire. Si vous le souhaitez lui parler, il se trouve ici à l'arrière. Rolgan compte sur vous pour l'acquitter une fois que vous l'aurez. Tous les éléments que vous semblez, revenez me voir et lancez la procédure. Casque, ok. Pas de rapidité, pas de gargouille.
C'est la même que lui. Quel bonheur! Pour cette Roland qui m'amène, bien sûr, le rythme fait un grand honneur au Mosaïque Bolchevique. Tout juste à cette affaire, je suis impatient d'accomplir mon devoir sans s'avertir. Que pensez-vous de... Même si je désapprouve le fait que cette une guerre vénérée d'un dieu païen, je n'aurai aucun préjugé, le vrai coupable est de ce crime, le démon de l'alcool, mais l'alcool n'excusera. Bien le comportement de Lutgarde, les individus qui boivent jusqu'à l'ivresse doivent assumer les conséquences de leur acte. C'est pour cette raison que je m'élève si résolument contre la consommation de poissons le plus aisé. Mais n'allez pas croire que j'ai des préjugés. Bonne chance dans cette affaire, monsieur. Monseigneur. Puisse la justice tirer. Quel bonheur! Je vais faire une pause. Je pense que je vais pas tarder à aller manger. Bon appétit.